sous le pied de chaque main, le diable là, tout ce qu'il dit là, c'est quoi? C'est la vérité. Il peut mentir. Il ne peut pas mentir. C'est comme ça. Sous le pied de chaque main. C'est comme ça. Sous le pied de chaque main. C'est un grand feu. Très, 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 nous sommes impuis de tentation, puis d'épreuve. Ne sois donc pas mécréant. En tout ce qu'il dit là, c'est quoi? Croyez en ça, que c'est la vérité. La vérité. Maintenant, c'est quoi? Ce qu'il dit là, c'est. Ne prenez pas ça toujours littéralement. Des fois, c'est le parabole. C'est quoi il a dit, quoi? Que c'est une tentation, c'est une épreuve. Il faut réfléchir pour déchirer ce parabole là. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais eux, les diables, ils parlent comment? Je ne sais pas, une petite réflexion là, tu vas déchirer le parabole. Je ne sais pas parler à quoi, je vais parler à quoi à la parabole de Dieu. Parole de Dieu, tu réfléchis pour comprendre. Dès que ça tient juste, franchement, ne peut pas le comprendre. Et cela, c'est quoi? Je sais pas, je sais avec les petites analyses, là, tu comprends ce que je dis. C'est comme ça. Nous sommes bien qu'une tentation, nous sommes pas mécréants. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sert à désigner entre les personnes et les plus. C'est comme ça. Donc les gens ont appris auprès d'eux. C'est-à-dire, la maman a amené un enfant pour amener sa vie pour la guérison, c'est-à-dire le pasteur Michel, c'est comme ça, et les siens, ils ont appris que quoi? Ils ont appris que, en fait, c'est eux qui sèment la décision entre ils apprennent auprès de ceux qui font la désignation entre l'homme et son épouse. Ils ont appris en fait que quoi? Les bagarres incessantes entre moi et ma femme, et mon épouse là. C'était quoi? C'était eux qui sont à l'origine. C'était comme ça. Pas seulement ceux les siens, mais aussi ceux du quartier. Ceux de la maison, les voisins de la maison. Ils ont compris que en fait c'était quoi? C'était eux qui étaient à l'origine. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. C'est comme ça. Ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Tu sais bagala. Tu sais bagala. C'est pas la permission de Dieu que c'est Dieu qui a permis tout ça. Sinon, il n'y aura pas bagarre. C'est comme ça. C'est Dieu qui a permis tout ça. C'est comme ça. Dieu qui a permis ça, sinon. Sinon, il n'y aura pas bagarre, c'est comme ça. Or, les gens s'apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ça, très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part de l'au-delà. Cette quête est détestable, le machinisme pour laquelle c'est le désastre, si c'est mon fils, sa mère. Il n'est que le Dieu, le passé. C'est nous qui avons prévu tout ça. Sinon, il ne peut rien faire.